You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Go ahead, do your worst! Et donc évidemment, c'est là que toute personne se pose la question et se dit « Et pourquoi elle nous a pas tués en fait ?» C'est quand même étonnant. Bon, allez, on reprend nos activités. Donc je rappelle, hein, effectivement, voilà, nous sommes là pour chercher notre fille, Rose, à la base, qui a été enlevée pendant que Mia, notre compagne, s'est faite malheureusement tuer par Chris Redfield. Quand même incroyable. On était enlevé et puis là, bah voilà, grosse angoisse. Le camion dans lequel on était a eu un accident. On comprend qu'on était capturé justement par l'armée. On sait pas trop pourquoi ni comment, mais il y avait un truc. Et puis bah là, on se retrouve à télescoper dans ce château dans lequel on essaye de trouver des traces justement de notre enfant, mais c'est pas gagné. Hein. Pour ouvrir cette porte, certes. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement à voir? Je vais quand même regarder. Ouais, il me dit toujours qu'il y a des objets que j'ai pas trouvé ou quoi, donc... Ouais, mais si je... Bon, je vais pas tout fouiller. De toute façon, on est déjà bien en munitions. On a tout ce qu'il faut. Le jeu est prévu pour que, de toute façon, il y ait un peu de tout partout. Pour qu'on puisse tomber dessus. Si on fouille, mais en même temps, c'est pas non plus ultra pénalisant si on ne l'a pas. Pas d'objet ici, pas d'objet là. Bon, c'est rassurant en tout cas de voir qu'on était vraiment très 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 dans le cinéma avant ça, avec beaucoup de scènes qui étaient là surtout pour faire une belle intro et pour un peu nous engager dans le jeu, et en même temps évidemment voilà, pour le montrer sous son plus beau jour, hein, pour justement bah, notamment ce genre d'occasion comme les streams et les vidéos et tout ça. Mais là, ça fait plaisir de voir que ça y est, on jouait. Mais putain, mais c'est pas... Mais il y a un truc avec les mains dans ce jeu, quoi. Blackheart, let you get away. You'll be sliced to ribbons before you ever see the child. On va avoir du mal à sortir un flingue. Enfin, j'espère. Oui, non, ça va. Ah merde. Si tu recolles ta main, Ethan, t'es mon héros. Mais non, mais ouvre-la! Bonjour madame. On va faire un petit tour, hein. Aïe! Ah merde, je peux pas me soigner, j'ai pas de main droite. C'est dommage. Ok, allez, c'est bon. C'est la bonne. Te laisse pas avoir. Tu n'es pas dans une aventure horrifique, tu es dans un jeu X-Men. Tu es face à Wolverine. Tout à l'heure, on avait le Père Noël ou la bête. Au choix, le fauve. On a croisé Magneto également. Je pense que tous les signes sont là. Allez. Allez, t'as plus de main, mais t'as encore des clés. Ah! Le masque du chagrin. Mais non! Ethan! Good. Man screwed this castle. Alors où est-ce qu'on va ?
J'ai récupéré la... la tête de statue, mais je sais plus où c'était. Mais bon sang, bonsoir. Mais laissez-moi tranquille. Attendez, on va faire le tour, évidemment. Ok. Donc là, c'est passé. Là, il n'y a rien. Là, on verra plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toujours cette histoire de... Mais là, on est reparti au début, en fait. Je fais n'importe quoi. Ah oui, non, là. Oula, oula, là, je fais grave n'importe quoi, par contre. Oui, je sais, Ethan. Bah oui, mais en même temps, voilà. Non. C'est là. Alors, on va regarder l'emplacement de ce masque qu'on a récupéré, le masque du chagrin. Si on l'examine et qu'on regarde, on voit que c'est le masque de 2. Il va donc ici. Merci. C'est pas génial. Est-ce que je dois la battre? Ça se trouve, faut juste que je la tue, en fait. Allez, on va aller chez le marchand. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Yes. Welcome, welcome. You're sure to find something new. If it's just looking, window shop away. Alors on va regarder parce que là normalement j'ai récupéré masse d'objets qu'on peut vendre. Waouh, le buste il fait mal, hein. Objet de valeur, c'est bon, on va vendre. On a aussi le collier d'Ingrid. Ça m'appelle un sketch. On a 15 000, ok. On est bon. Vu qu'on a ces 15 000 là, je vais pouvoir améliorer les choses. Alors on pourra améliorer la puissance du shotgun éventuellement à 640, c'est intéressant. Mais le truc c'est qu'on n'a pas assez de munitions. Par contre, attendez. Ah merde, parce que là j'aurais pu peut-être gruger le jeu. On va tenter un truc. J'ai 2 balles plus 5. Est-ce que c'est comme à l'époque? Delighted to. C'est comme à l'époque, tu peux gruger le jeu pour avoir des munitions en plus. Parfait, ça. You wish to make a purchase? Alors, est-ce qu'on va améliorer la capacité du flingue, le rechargement, cadence de tir? Non, on peut améliorer la puissance du pompe, éventuellement. Ah, à moins que... Attendez. Oui, on va améliorer plutôt ceci. With this, you'll not worry about me. Ah, et j'ai les formules pour faire aussi des cartouches de fusil sniper... Ah ouais, d'accord, ok, on peut quand même acheter des trucs intéressants. J'ai aussi un chargeur grande capacité éventuellement pour l'arme de poing. Pas mal. Bah c'est vrai que les cartouches de fusil, pouvoir les crafter, ça peut être sympa. Allez, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et on est prêt. Alors attendez, je vais faire un petit plan de route. Donc là, globalement, on a récupéré la fameuse clé qui nous permet normalement de, bah, de nous balader dans des pièces qui étaient de base inaccessibles. Donc, si je vais ici et qu'on regarde soigneusement. Alors, en bas, il n'y a rien. Là, on est sur l'étage où il n'y a que dalle. Non, il n'y a que dalle. Donc, il y a encore des objets à fouiller, évidemment, dans toutes les salles et tout ça. Bon, ça, on s'en doute bien. Mais, si jamais je monte là, normalement, il y a des salles qui, de base, étaient inaccessibles, mais qui maintenant le sont. Par exemple, celle-ci. Pas du tout. Par exemple, celle-ci. Ok, c'est par là. Allez, go! On se dépêche. Faudra que je save aussi. Alors on va ouvrir ça. Voilà. Petit sou. Là, on passe, évidemment. Je me bouge le cul. Et donc là, le masque.
numéro 2. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres objets dans la pièce? Alors déjà, il y a la cheminée ici, on l'a vu. Bague en argent. Alors on va regarder aussi ce truc-là, parce que je sais pas exactement ce qu'il veut que j'en fasse. Juste, on regarde un petit peu alentour. Non, c'est bon, il n'y a rien. Je vérifie avec ça. Bon, il y a encore des choses. C'est pas très grave. Peut-être que c'est ici, en fait, qu'il y a des trucs à trouver. Non, j'ai dû rater quelque chose. C'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici l'objet qu'on a obtenu, à savoir... Ah, mais attends, mais la bague en argent... Ah oui, non, c'est vraiment un objet de valeur, en fait. Il n'y a rien à en faire de plus que ça. Donc, cartouche de fusil, très bien. Le jeu est extrêmement généreux en munitions. Alors, bombe tuyau, très bien. On a récupéré... Ça sent le boss. Ça sent grave le boss. Ah oui, évidemment. Fais pas l'enfant. Allez. Mais fais un truc. Mais qu'est-ce que tu fais? T'avais un indicateur, pourquoi tu l'utilises pas? Attends. Un impact assez puissant pourrait détruire le mur. Ok. Alors, un impact genre une bombe? Non. You've ruined the hunt. What? My body! Curse you! Allez. Ça va. On gère. Elle est stunlock. On craint rien. On craint presque rien. Allez. Aïe. Aïe. J'ai eu un peu mal. Allez, faut qu'on en finisse. Mais il fait combien de dégâts ce couteau? C'est pas possible. C'est un couteau en papier en fait. Allez, on a récupéré un nouveau buste, on a réussi ce combat, on récupère un trophée de chasse, qui est très certainement un autre masque. Et ça, on va même le regarder en allant ici, parce qu'à tous les coups, exactement, hop, c'est le masque A4. Donc on a le 4, ici on a lequel? On a posé le 2 déjà. Ah, on a encore un masque A4, très bizarre. Bon, on fera des tests. Et, alors attendez juste que je regarde. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre, c'est bon, on a obtenu tout. Très bien. Alors, je peux poser des choses? Il se passe quoi si je fais ça? Ah ouais? Ça servait à quelque chose quand même là? Ah, parce que du coup, j'ai pu ouvrir la porte qui était refermée, j'imagine. Il doit y avoir un truc de ce style-là, oui. Parce qu'en fait, j'ai remplacé un masque A4 par un autre masque A4 en placement. Oh! Stars. Très bien. Ah, voilà la porte qu'on cherchait. Elle était dans la cour, c'était ça le secret. Allez, ok, donc on est là pour chercher encore une fois deux têtes de statue pour compléter l'ensemble. Donc on en a chopé deux, je sais pas si les deux prochaines seront là ou si on en aura qu'une.
Le rouge à lèvres de madame a disparu. Si quelqu'un le trouve, merci de le remettre dans sa salle de bain. C'est une pièce faite sur mesure et donc très chère. Je veux bien le croire. Ah, attendez, où est-ce qu'on est là? Mais on est où là? Très bien. Bon, je vais faire un petit tour tranquille. On se mettra la pression après. Ah! Oui, mais attends, mais vas-y, prends-le. Ah! Bonjour. Oh! Petite balle de snipe quand même. Bon, on n'a pas de snipe, mais on a les munitions. Je pourrais les envoyer à la main sinon. Ah, le piano. Est-ce qu'on va avoir une énigme du piano dans ce jeu? Pour jouer une petite sonate au clair de lune. Ok. Ça va, c'était pas trop compliqué. Je joue du piano. Lire une partition, du coup, ça va. Ça devrait le faire. Ça aurait pu être plus bâtard. Ils auraient pu foutre ça en clé de ré ou un truc comme ça. Là, ça aurait été marrant. Ou même sur une autre gamme, avec des dièses et des bémols. Peut-être pour une prochaine fois. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Mais laisse-moi tranquille avec tes ongles de mort, là. On dirait mon chat, bordel. Ouais. Ok. Allez, on va tenter par là-bas. Ah, j'entends que ça crie. Oh! Une boule. Fleur et épée. Ah! Aïe! Ah, il a fait mal celui-là. Je suis dans la merde! Je suis dans la merde. Je ne comprends pas l'objet que j'ai pas eu là. Ah putain, je viens de comprendre ce que c'est. Ah. Tu peux te pousser? Merci beaucoup. Allez, on y va. On va regarder tranquillement si on voit des choses. Alors, faut regarder un petit peu en hauteur, hein, parce que des fois, il y a des cristaux qui peuvent se choper, donc ça peut valoir éventuellement le coup. Ah. Ah, d'accord, en fait, j'ai fait un demi-tour et je suis retourné dans cette pièce-là. Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai la nausée rien qu'en pensant à cette réunion de famille. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout Heisenberg. Ce faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux, si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château, des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Je crois avoir besoin d'un verre. Ah. Ok. Le rouge à lèvres, c'est une balle de snipe, hein. Alors, on a trouvé le rouge à lèvres. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va déjà le regarder pour voir si on peut en sortir quelque chose.
Ah, mais c'est même pas un objet clé? C'est un objet de valeur. Ah, d'accord. C'est juste là pour faire des thunes. Trop ouf. Alors, on va vendre les objets qu'on a. Ah oui, le rouge à lèvres, il fait plaisir, hein. Boum. Ça, c'est fait. Donc là, on a 20 000. Je peux globalement améliorer les choses. On peut améliorer la cadence de tir vite fait, éventuellement. Ah, attends, j'en suis au niveau des munitions. Ah, punaise, j'avais rechargé. Bon, on va garder les thunes de côté. Donc là, on avait chopé tout à l'heure une pièce, rappelez-vous. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. Oula. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, jeu? D'accord. Le foutage de gueule. Alors par contre, la caméra... pas cool, hein. Allez, c'était le petit puzzle de la physique. Youpi! Et donc grâce à ça... Oh! Oh, les thunes! Alors attends, on va regarder ça tout de suite. Si on fait... Oh là 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 là. Le jeu qui nous met tellement à l'aise. Là, ça y est. Le jeu a arrêté, en fait, d'être difficile. Il s'est dit, mais... mais fais-lui plaisir, allez, on y va. Donc là, c'est bon, regardez ça. Hop, on augmente la capacité. Bien sûr, on attache l'élément de modification. On va également acheter cette pièce-là pour le fusil qu'on va aussi associer. Et normalement, je dis bien normalement, je peux même augmenter un petit peu le flingue. Allez, on va faire ça. On va augmenter la cadence de tir. On va augmenter la vitesse de rechargement. Pas mal. Pas mal du tout. Mais quel imbécile. J'avais jamais vu qu'il y avait cette porte là, mais c'est pas possible. Regardez ça. Et voilà. Ah. Yes. Alors attends, faut que je trouve un moyen d'être de la lumière là. De la lumière, de la lumière, de la lumière. Je sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai appuyé sur interagir, je sais pas ce que... Ah oui d'accord, ça y est, c'est bon. Du coup, j'ai ouvert. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite se créer... Ah, j'ai pas de soin! Ah, dur! Elle est où? Why are you doing this? Ben, montre-toi. Allez, viens. Mais quoi? Ah, merde! You really wanna kill me? Bah ouais en fait. Why? Why would you do this? Allez. Damn. It's so cold. Bon, on va quand même faire un petit peu au gun parce que je sens que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ah, attention, parce que là, c'est en train de repartir. Allez, 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 allez. Ok. J'ai rien dit. Ça va, c'est efficace le pompe quand même. Hein. C'est très, très, très efficace. Mais là par contre, ouais, ce qui vient à manquer, ce sera évidemment le soin. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'en trouver des choses, mais je pense que oui, concrètement, ils ont dû en mettre dans la salle quand même. Voilà, il y a des petits objets. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire le soin? Regardons vite fait. Fluide chimique que je n'ai toujours pas. Bon, on va regarder. Est-ce que j'ai tous les objets de la salle? Non, évidemment que non. Alors, regardons vite fait, là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il y a quelque chose, des munitions, on n'a pas fini d'explorer la salle, alors peut-être qu'après il y a des...
et les trésors en hauteur ou ce genre de choses là. Ou peut-être tout simplement sur la bibliothèque, quoi. Il y a peut-être un objet un peu planqué, genre là dans cette... Non. Dans l'urne, il n'y a rien. Ah, je le savais. Toujours pas, décidément. Eh ben... Ils sont blindés, ces endroits, c'est pas possible. Allez, c'est bon, on a tout. Ouais, on va regarder vite fait ici. Non... Est-ce que... Oui. Allez, nouveau visage. Il ne nous en reste plus qu'un à choper. Aucune idée de si ça va être quelque chose de loin ou pas. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est une grande salle ou pas? L'atelier, ça a l'air d'être une salle verrouillée. Oh, le portrait! Waouh. Layers of Fear. Faites sonner les 5 cloches. Ok. Donc j'imagine qu'il y a des cloches, il va falloir tirer dessus à un endroit. Est-ce qu'on peut monter simplement? C'est pas un hasard s'il nous emmène ici. Attention. 1. Du grand art, hein. C'est... Ah mais d'accord, ça y est, j'en ai eu une. Il y en a une autre ici. Voilà, la deuxième est là. Alors, où est la troisième? Là, il y en a une petite. Troisième. Alors, quatrième. Est-ce qu'elle serait pas directement dans le tableau? Ça serait tellement méta. Non. Est-ce qu'on a peut-être... Alors déjà, il y a quelque chose ici. Dans un pot, peut-être? Non. Caché quelque part, à l'abri des regards. Ouais, non, peut-être pas. Attends. Ah! Où est-ce qu'elle peut être, cette cloche? Ici, par exemple. Il ne peut en rester qu'une, et la dernière, elle sera évidemment... Oh, ça rappelle tellement les séquences de MGS2 Substance. Elle est dehors, je pense. En fait, j'aurais vraiment voulu qu'elle soit là, moi. J'aurais trouvé ça ultra pertinent. Ah, vu ! Elle est là. Ah, parce qu'évidemment, la vitre fait rempart. Voilà! On a trouvé toutes les cloches de Drakengard et donc du coup... Ah ah. Bah, du coup, une nouvelle phase. Alors, on a quoi ici? De la plante, pourquoi pas. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi... une échelle. Alors que finalement, un petit coup de couteau dans la toile, c'était réglé. Effectivement, comme tout le monde le souligne, on pouvait bien se douter de tout ça, mais... Le jeu vidéo, s'il vous plaît, ne cassez pas les codes. Ah, une carte au trésor. Alors, c'était dans une tour qu'il y avait une carte au trésor... Enfin, qu'il y avait le trésor, a priori. Je vais la regarder une deuxième fois. Alors, kitchen, dungeon. Et il y a une sorte de tour, et là, il y a un trésor. On s'en rappellera. Oh là là. Je me demande s'il va se lever. Je me demande surtout combien de balles je vais mettre dans le mur avant de le toucher. Comme toujours. Ah, le petit crochet! Super! Ça, c'est très bien, ça. On en aura besoin, en plus. Oh,
Oh, un sniper. Mais que fais-tu là? Alors, sniper de RE4, ça me file un petit peu des sueurs froides. Hein. Je sais que c'était vraiment les souvenirs de quelque chose de compliqué. Waouh, wow, attends, quoi? Où ça? Oh non, mais non, mais arrêtez. Gargoyle, c'était bien en dessin animé, mais pas en vrai. Oh là là, c'est Dark Souls, ça y est. La Dark Soulisation avec l'ascenseur qui nous ramène au début. Ah, ça va chier, je pense. Allez, je vais quand même juste regarder un truc, c'est ce qu'on pourrait éventuellement trouver ici. Oh là, non mais attends, mais vas-y, mais... C'est tellement le DLC de Dark Souls 1, là? Non, de Bloodborne, pardon. Non, c'est dans... Putain, c'est dans quel jeu quand, quand t'es sur les toits comme ça et t'as le mec avec sa faux de ouf, là? C'est Kane Hurst, oui, voilà, c'est ça le nom du château. Mais après, par contre, je sais plus comment s'appelle le boss en question. C'est dans Bloodborne, oui, c'est ça. Alors là, je veux le boss. Je veux le boss. Logarius, voilà. C'est Logarius qu'on va rencontrer ici. Oh, on va faire de la tyrolienne, trop bien! Attends, mais il est pas là le trésor? Bon, je vais peut-être le tuer quand même. Quel gâchis! Quel gâchis de ouf! Le trésor est. Ah, il est là-haut! Il est au-dessus, j'en suis sûr! Pas du tout. En fait, l'avantage, c'est quand on est prêt comme ça, au moins je peux pas les louper. Aïe, aïe, mais laisse-moi tranquille, putain. Bon, attendez, il y a... Quand on s'est pas visé, il y a toujours une solution. Putain, mais ils ont de la vie, oh. Ah, trop bien, et du coup j'ai gardé la tyrolienne. Et là, évidemment, on tombe sur le dernier masque. Et ça, c'est beau. Ah merde, attends, alors attends, on va tester un truc, d'accord? Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, au moins ça a marché. À la base, j'étais parti pour envoyer autre chose que ça, mais bon. Une technique qui fonctionne, c'est une technique volontaire. Oh là là, l'échelle encore une fois, mais c'est bon là. Il nous a bloodbornisé la tronche. Ok, bon par contre j'ai quand même perdu quelques munitions. Hein. Là ça serait vraiment le moment parfait pour tout simplement aller agrandir nos chargeurs. Et c'est ce qu'on va faire. I've expanded my services. Please, come take a look. Yes. Alors, viens voir. On va déjà commencer par vendre les choses qu'on a obtenues. Et il y en a quelques-unes. Ah, j'avais récupéré le crochet aussi. Ah, je vais peut-être faire un petit détour pour aller ouvrir le box que j'avais pas pu ouvrir précédemment. Ensuite, donc là, on va évidemment augmenter la capacité de cette arme qui est quasiment vide à ce jour. Là, la capacité a déjà été augmentée. Par contre, ce qu'on peut augmenter, c'est la puissance de cette arme. Et enfin, ici, la vitesse de rechargement du pompe. Je pense que là, concrètement, on a fait tout ce qu'il fallait, tous les meilleurs choix. On peut augmenter la cadence de tir éventuellement. Ah non, je peux pas. J'ai pas assez. Bon, bah, le snipe sera la prochaine arme à maxer. On va sauvegarder. Et donc tout droit. Donc on a récupéré 18 munitions au passage, ce qui était le bon plan. On l'a fait pour ça. Et non. Je crois que le jeu il veut que je fasse des munitions. Vous croyez qu'il va me l'écrire combien de temps?
tout ça pour ça. Un crochet pour 4 balles de pont, ça fait mal au cul quand même. Oui, le jeu est extrêmement beau, hein. Ça c'est vraiment le gros point fort, c'est que c'est vraiment très beau. Allez, donc on va utiliser les différents masques qu'on a. C'est pas le bon masque, évidemment. Ah, attendez, ça parle de vin. Allez, on fait ça. Les 4 sont posés. Merde, attends, mais laisse-moi partir. Fais quelque chose. Aïe! Bah oui, mais attends! Allez, on brise. Oh! Oh, c'est beau! Oh, c'est très beau! C'est très, 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 très beau. Attends, là, je me décale au cas où parce que je sens arriver le drame. En plus, il y a les objets à récupérer. On va le faire. Une tour! Bah oui, évidemment! Non, mais c'est magnifique! C'est vraiment très beau. Par contre, ça sent le boss. Parce que là, il y a les petits pots, il y a tout. Oula. Révélation. Tintintin. Mia. Pas du tout. La dague de Xian de Tomb Raider 2. Ruined everything!